Sur la préparation, et Philippe Catherine a fait 2 heures de préparation. Il arrive en retard, il a raté la première heure. Il a donné de lui-même. On s'est pété la gueule plusieurs fois. Et là, et l'autre, toujours, je lui donnais des baffes, des vraies baffes et tout. Il a morflé tout le long. On a morflé tout le long, en fait. On s'est super bien entendu, ça se voit dans l'image. On adorait faire ce film ensemble. C'est que je peux avoir le corps, mais j'aurais jamais la tête. La tête de commis. Voilà, ça me fait rire. Là, déjà, tu m'as fait une vanne sur mes muscles. Non, je pense pas. J'aime bien faire rire. J'ai pas du tout envie de jouer un agent secret. Ou James Bond, alors. Alors, Vatan, c'est comme tous les Bruce Willis, c'est tout ça, oui. C'est les films où il y a et la comédie et l'action qui, évidemment, moi, me plaisent. Des films inspirés d'ailleurs de Belmondo. Parce que à l'époque, quand Belmondo fait des films d'action, genre Magnifique, L'As des As, il se moque de lui-même. Ça, c'est L'As des As. Non, c'était pas volontaire, je crois. Mais on nous a monté l'affiche dans L'As des As. Mais non, parce qu'il y a beaucoup d'affiches avec les mecs qui montent les points. Mais c'est vrai qu'il y a un peu. Des héros, des super héros qui n'en sont pas, qui sont fragiles, qui font preuve d'humour et qui souffrent aussi. Bruce Willis qui a été le premier à faire ça aux États-Unis, mais c'était inspiré de films français, comme du cinéma des héros fragiles. Qu'est-ce que. On a fait la question. On dépassait souvent. Ah non. Qu'est-ce qui s'est. On a tourné. Qu'est-ce que. Enfin, Et on s'est fait engueuler avec Philippe, d'ailleurs, Catherine. Parce qu'on rigolait. Il est pas là ce soir, il chante à Saint-Lô, en Normandie. J'ai fait ça en Normandie tout à l'heure, j'avais dit j'étais Bretagne, je vais faire un truc chier. Mais comme on était très clients l'un d'autre, on riait beaucoup et Ludo s'énervait un peu en disant on essaie des scènes 2 jours et bientôt faire lui. Donc il faut se concentrer. Donc il y avait ça, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On s'est blessé beaucoup. Moi, je me suis. Parce que toutes les bagarres, on les a chorégraphiées. Et je me suis luxé un doigt. Comme ça, bien retourné à l'envers. Comme Philippe dans le film, je l'ai fait pour de vrai. Dans une des cascades. Voilà. Ludo s'est fait. J'ai mis sur mon Insta. Il a fait un beau soleil. Un très beau soleil. Et j'ai piloté l'hélico pour de vrai. Faut savoir, j'ai 10 heures de cours, il ne croit pas. Je vous jure que c'est vrai. J'ai piloté l'hélico. Il y a un instructeur qui est à côté de moi, il y a la double commande. Et au moment de tourner, parce que Ludo voulait que ce soit très réaliste et pas sur fond vert, finalement, on tourne ça en studio avec un fond vert dans un bout d'hélico et on fait. Comme ça, toute la journée, on a mis un petit escabeau pour descendre. Le petit escabeau pour descendre, ça va, Dani, attention. Et nous, voulait que ce soit très réaliste, donc on était vraiment au-dessus de Paris, en hélico, décollage, atterrissage, et quand on était en l'air, il fallait mal le piloter, donc lui faisait comme ça, et je lui dis, passe-moi les commandes s'il faut mal le piloter. Comme j'étais dans le rôle et que j'étais très énervé, j'ai réussi à le convaincre, il m'a filé les commandes. Donc j'ai piloté l'hélico. Quand on voit, c'est vraiment Paris, et puis je pilote vraiment en secouant l'hélico. Ce que je ne ferais jamais dans la vie, parce que j'aurais peur. J'avais pas peur, j'étais dans le personnage. Et au bout d'un moment, c'est très fort et très réussi, puisque j'ai entendu le réalisateur, au lieu de dire couper, Ludo, il a fait. Il nous
a fait un bon petit vomito. Voilà une anecdote, mais c'est vrai. Oui, j'ai fait vomir. Et... Juste qu'il faut, on va rentrer.